C'est ça que je peux appeler fâché. On était dans une réunion, Jean s'est levé et Jean il a tapé du coup de poing sur la table deux fois, trois fois. Et c'est ça que j'interprète qu'il est fâché. Donc on peut faire des faits. C'est la caméra ou la photo que prendre en voyant quelqu'un qui est en train de faire un martelage. Alors, contre moi, comment on peut traduire contre moi? Je ne sais pas traduire. Si, on peut traduire. Il me regardait. Il a tapé son poing en me regardant en dessous. Il m'a craché sur la figure. Craché sur la figure. Quelle horreur. Ah oui, là, il est fâché. Voilà. Alors, et contre moi. Alors, sans raison. Sans raison. Ça, on enlève. Parce que sans raison, il doit y avoir. Hier, on peut voir, hier, la caméra peut prendre, ou bien l'appareil photo peut mettre hier, il peut mettre là. Je ne peux pas dire quelque chose du genre. Si on dit à ce moment, sans que je n'ai eu d'interaction avec lui, à ce moment. Bon, peut-être que la raison dont il était fâché, ça s'est produit hier, mais ouais. Si on serait focalisé sur l'image, et l'image prend le moment présent et pas le moment d'hier. Donc, mais l'image apprend quelqu'un de statique. L'image. L'image peut prendre, parce que quand tu dis sans, moi, il y a quelque chose, mais c'est plutôt fin, hein, qui me dit, il y a des choses précises. La tête, parce qu'il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a les mots, le cou. Il y a cinq sens en fait. Les cinq sens se trouvent déjà au niveau de la tête. Les cinq sens, donc, même toucher. Même l'odeur, même le goût, même les yeux, tout ça. Je me dis, la tête, ça représente l'observation. Et pour moi, quand tu me parles de l'observation, c'est pas l'observation simple, c'est le fonctionnement des cinq sens, en fait. Alors, ici, au niveau du ressenti, je me suis, quand tu as peur, le cœur, boum, boum, boum. Quand tu es dans la colère, tu sens, c'est au niveau de la poitrine, même physiquement. Oui, c'est ça que je te dis tout à l'heure. Et alors, au niveau du besoin. Au niveau du besoin, je me suis rendu compte, quand j'ai reçu beaucoup d'empathie, parce que le temps que je viens faire en communication non violente, que je téléphone à mon ami Donia, qui me donne l'empathie pour l'une ou l'autre chose, ou bien que je lui donne de l'empathie et qu'il me renvoie, chaque fois, je sens ça au niveau des tripes. On dit des tripes. Les tripes, c'est-à-dire, c'est une sensation quand je te dis,